D'officien, d'officienne, bienvenue dans l'aventure des 18. Aujourd'hui, on sort un petit peu de la team secondaire et je viens juste vous faire un petit épisode spécial où je vous montre le stuff de mon roublard. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On a un stuff à 1246 d'intelligence, 4436 de vitalité. On l'a donc. Avec ça, on a 127 de puissance, ce qui nous fait donc à peu près pratiquement 1400 de stats. Donc 11 PA, 6 PM, 6 PO. Donc on a les 6 PM là normalement avec, avec l'abyssal. On a les 6 PM pour le run son. J'avais pas besoin de. Comme il va pas au corps à corps, il aura toujours 6 PM. Ensuite, on a quoi? On a 27 en crit. On a quoi? Surtout les dommages, donc de crit bon, 30 et surtout 175 dommages feu. Avec ça, on a 17% en dommages distance et 3% en dommages sort. Et je vous montrerai pourquoi, parce qu'on a fait pas mal de FM là-dessus. Un FM aux petits oignons, comme on dirait. En res, 14% de res neutre, pardon. 12% de res terre, 10% de res feu. 24% de res air. Donc voilà, on va vous montrer maintenant le stuff. Donc le stuff c'est quoi? C'est en chapeau, on a l'omoplate avec un petit FM à 1% en dommage au sort. Donc là on est quasiment quasiment j'ai perf en intel, j'ai tous les dommages feu, j'ai toutes les res, on a les crits. Donc ce qui nous manque c'est les dommages poussés, la sagesse et un petit peu de vita, mais ça c'est pas très grave. À la place on a quand même le 1% de dommage au sort qui est très très sympa sur un roublard, surtout quand ça s'accumule. En cap, on a la cape de Diondin, pareil 1% de dommage distance cette fois-ci. Donc ici on a pratiquement toute la vita, 347 sur 350, 80 dentelles, la sagesse on s'en fout, on est 200, 15 dommages feu, 14 de soins, bon ça aurait pu être intéressant d'avoir un 15 de soins pour l'extraction, mais c'est pas très grave. 13 de tacle, 10% de res, 2 de portée et 1 PA. Donc sur ce stuff on a même, je crois qu'on a... Ah non c'est bon, à un moment donné on avait 7 de portée, je sais plus trop comment. Donc en ceinture on a la croture, pareil FM 1% dommage au sort, donc 79 dentelles. Les 20 dommages feu, les 12% sur les deux lignes, 4% critique, 1 de portée. En botte, on a les soldats de guerre, 1% de dommages au sort, les 400 de vita. Alors, il nous manque un petit peu d'intelligence, donc là, 6 d'intelligence, on a 94 sur 100, les 20 dommages feu, les 15 dommages critiques, et les 2 lignes de res, avec évidemment les 4% crit. En amulette, on a l'amulette Volcorn, donc 424 de vitalité. On n'a pas le FM dommage au sort, mais on va peut-être... Oh, le jet, il est quand même plus ou moins perf. Hein, la muette Volcorn, elle est difficile à FM. Donc, sans intelligence, on a le 19 de dommage feu. Il ne manque le 20 dommage. 15 dommages critiques, 10% de reste feu, 5% de crit, 1 PA, 1 invoque. Et en anneau, j'avais montré un autre stuff dans mes vidéos short pour ceux qui avaient vu. Et finalement, j'ai opté, comme un commentaire le disait, avec les deux anneaux tamis. C'était quand même beaucoup moins cher par rapport aux anneaux que j'avais mis. Et finalement, on ne gagnait pas grand-chose sur les anneaux que j'avais mis au départ. Donc finalement, merci pour le commentaire. Je ne sais plus qui était la personne qui l'avait mis en commentaire. Mais du coup, j'ai fini par choisir les anneaux tamis. Donc les anneaux tamis, pareil, ici, un petit pourcent de dommage distance. 75 d'intelligence, 15 de dommage feu. Et là, pareil, 75 d'intelligence, 15 de dommages feu. En arme, on a l'arc corrompu, 1% de dommages distance, plus l'arme de chasse. On n'a quand même pas passé. On n'a pas quand même mis autant de Kama pour pas avoir l'arme de chasse sur tous les persos. 68 d'intelligence, là, sur 70. 15 de dommages feu, les deux lignes de res, les 4% de crit. Et cette arme, franchement, vous le verrez juste après sur le putsch, là. Mais c'est plutôt sympathique de taper avec un cac. J'avais pas l'habitude avec le roublard, c'est vraiment sympa. Ça fait des bons damage.
En bouclier, on a le 4 feuilles, 27 de puissance, 14 de dommage crit, de dommage distance, pardon, 6% crit. Donc là, on était à ça près d'avoir le FM à 100 vita et puis quelqu'un l'a acheté plus vite que nous. C'est l'item où on n'a pas beaucoup FM, on l'a acheté tel quel. Ensuite, en trophée, bah, classique, érudit majeur pour l'intelligence, le nomade, le rumeur et les trois Dofus, donc l'abyssal ici pour avoir le 6ème PM, Dofus pourpre et le Dofus des glaces. J'aurais pu mettre un dévastateur ici à la place du Dofus abyssal, mais pour l'instant je préfère comme ça. Ah, et j'oubliais donc le familier, le bisouglours. Je ne l'ai pas encore up level 100, mais ça ne saurait tarder. Bon, la différence elle n'est pas énorme, hein. On va avoir 20, 24 d'intelligence de plus et 4 de dommages de plus. Donc là, on va en profiter pour tester ce stuff sur le putsch. Ah, je sais plus combien ils ont de vitalité ces putsch là. On va voir le putsch 75. J'espère qu'il a peut-être pas trop de vie. Hein. 5000. On va essayer de l'OS. Allez, on va essayer de l'OS. Comment est-ce qu'on pourrait faire? On va faire ça. Tac. Mon petit combo avec la botte. Quoi, ça me tacle? Voyons voir combien je tape à la flamiche. C'est bof. Tac. Donc là, on va booster les bombes. Top, top. Ok. On va booster ce qu'on peut encore boost. Je ne crois pas. Non, il y a un mousquet. Non plus. On va mettre l'explobombe. On va la mettre là et puis après on va la TP. Tac. Est-ce qu'on fait en posture là ou pas tout de suite? Oh, après c'est infini. Pourquoi pas? Je le remettrai après. Tac. En fait, on peut en profiter pour. Hop là. J'aurais dû en profiter pour vous montrer un petit peu l'arme. J'aurais pas la portée. Je vais vous montrer une petite grenaille. 700 la grenaille. Hop là, un petit mousquet. Ok. On va la laisser grandir un petit peu. Normalement, on devrait l'OS. Je vais voir là, avec l'arc déjà. Paf, donc 1200 avec l'arc corrompu pour 6 PA. C'est plutôt sympa parfois quand une fois qu'on a placé ses bombes quoi. Ok, on attend encore un tour qu'elle soit. Voilà, là normalement elle est full boost. Je vais faire un dernier souffle. Tac, imposture. Ah, j'ai pas la portée. Entourloupe. Bah du coup on n'a pas vu les dégâts. Je vais essayer de. Ouais, je pense que je tape plus fort que ça. On va voir celui à 10 000 PV. Je vais essayer de le faire plus rapidement. Donc au moins ça tape au moins 2500 les gars. Donc on a 1200 sur le coup de cac et pas mal de damage aussi sur le je vais pas essayer l'extraction, bon, on essaiera plus tard. Ouais, l'extraction, voilà, ça fait 700 à peu près. Ouais, 800 CC.
Un petit mousquet. Paf. On la laisse grandir un petit peu. Ok. Dernier souffle. Alors, combien on va taper là? Ok, 7400, donc sur des bombes full boostées. On est tour 7 quand même. 7 tours pour faire ces dégâts-là. Mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu le maximum de dégâts qu'on peut avoir. Donc 7200. Et du coup, ça fait des bons damage en songe. Donc voilà, on va s'arrêter là sur cette vidéo, sur cette présentation de stuff. Comme je vous le disais en début de vidéo, dites-le moi si vous voulez voir un petit run songe en parallèle de l'aventure des petits noobs là. Ça peut-être vous intéresser, j'en sais rien. Moi, c'est la première fois que nous, c'est la première fois qu'on découvre un petit peu les songes, on les a jamais fait. Donc ça peut-être être intéressant de découvrir ensemble ça. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain avec la reprise de la petite team. Et moi, je vous dis à la prochaine.